Bonsoir à tous, je demande tout d'abord d'excuser de ne pas avoir participé à l'intégralité des travaux, mais c'est un grand plaisir ce soir de remettre les prix 2013 SIA. Donc jusqu'ici, chaque année, nous avons des cérémonies dans différents lieux prestigieux, celui-ci en Europe parmi d'autres, hein, avec des contributions à la fois à la plateforme et aussi aux outils SIA. Depuis la rencontre de Toulouse, petit bilan chiffré, 74 nouvelles ressources ont été retenues par le comité éditorial de SIA, et décidé de remettre chaque année, des récompenses suivantes. Alors la première, c'est le prix SIA pour l'ouverture sociale. Le projet s'appelle SIA POSC, et il va être remis, il va être remis à Cécile Classe. Pourquoi ? Elle a produit, on va dire si a produit 14 ressources pour la plateforme SIA en rubrique conseil utile. Donc ça concerne l'alternance, les CV, les entretiens, le financement des études, les métiers, les carrières et la préparation aux oraux. Merci à vous. Pour l'ouverture en Asie du Sud-Est, projet SIA PAS, à Kéan Kounrata, enseignant à l'ITC. Rata a participé à plusieurs missions d'enseignement solidaire organisées par SIA à l'ITC et il vient effectuer une mission SIA en CPGE en France et il reçoit le prix pour son établissement qui est moteur dans le projet PAS. Merci de la transmettre. Le prix SIA maintenant pour l'ouverture en Afrique du Nord, tout le SIA PAN, à Inès Moatamri, enseignante à l'Institut préparatoire aux études littéraires en sciences humaines de Tunis. De littérature sur la plateforme SIA, et elle est également référente, alors là l'être moderne, la langue et les sciences humaines, son siège en Tunisie, son implication rend son établissement moteur dans ce projet PAL. Merci à elle. Merci à vous. Le prix SIA pour ouverture au Proche-Orient Lucan, donc le projet SIA Pol, Mathilde Petit, qui est professeure de mathématiques en CQGE, retraitée. Elle a effectué une mission solidaire à l'école supérieure d'ingénieurs de Beyrouth en avril 2013. Elle a produit une série d'exercices d'auto-corrigés à destination des étudiants de l'école, enrichissant ainsi le travail d'adaptation des ressources à la demande de SIAG. Voilà. J'espère que Beyrouth sera mieux. Nous le souhaitons, bien sûr. Pour les nouveaux programmes d'informatique, Katia Barré. Professeur de mathématiques à CPGE et de l'Université de Paris. Donc, d'abord, on a fait cette année avec les nouveaux programmes de CPGE. En réponse à l'appel à contribution spécifique qui a été lancé par SIA, Katia édite une série de 28 vidéos accompagnant l'initiation au base de données relationnelles. Merci. Et nous avons pu départager les deux vainqueurs du projet d'innovation pédagogique. Michel Picard, professeur de littérature, de latin et de grec en CPGE au lycée Montesquieu au Mans, associé à Laurent Aubin, ingénieur à l'école centrale de Paris, professeur d'enseignement de mathématiques également au lycée Montesquieu du Mans. Le grec ancien pour les hellénistes débutants. Il a été rédigé par Michel, un outil Algodoc, pour documents éducatifs et développé par Laurent. Merci à vous. Comme tous les gens, des outils de qualité qui montrent que le sillage est de plus en plus attractif et son utilité n'est plus à démontrer.
Bien sûr, il y a des grands mouvements. Je n'ai pas participé au débat, vous avez sûrement parlé de l'initiative du ministère FEUL, qui est amusante. Moi, je peux vous dire que j'ai collaboré combien 4 ans à peu près à SIAGE, et je vais quitter la présidence de SIAGE en quelques jours, puisque le 31 octobre, je vais aller m'occuper des petits-enfants. Voilà. Donc, c'est mon successeur qui s'appelle Francis Jean-Jean qui, ces années, assurera la présidence au nom de la conférence des grandes écoles. Et je pense qu'il y aura au moins une continuité, mais je pense même une accélération de l'application de la CGU. Merci à vous tous.